Hello mes cocos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Priska, je suis youtubeuse camerounaise, je suis maman aussi. Et sur ma chaîne, je partage avec vous des astuces, des conseils. Je partage aussi mon quotidien à travers des vlogs. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification à toutes pour être alerté chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que je vois la Batwoman ici dans la tête. Comment est-ce que pour moi une Batwoman doit être en fait là-dedans. Le premier aspect, selon moi, qu'une Batwoman doit travailler dans sa tête, c'est d'apprendre à ne pas se comparer aux autres. Elle peut s'inspirer des autres, mais elle ne doit pas se comparer aux autres. Pourquoi? Tout simplement parce que chacun a sa vie, chacun a ses traumas. Ce n'est pas parce qu'un tel a fait telle chose que toi aussi tu pourras te permettre de faire cette chose-là. Pour moi, c'est ça une Batwoman. Une Batwoman ne doit pas seulement suivre les autres bêtement. Elle doit avoir sa propre perception des choses. Elle doit avoir sa propre personnalité. Elle ne doit pas seulement se mettre à copier les autres. Parce que moi, je me dis, au fur et à mesure que tu copies et que tu te compares aux autres, si tu ne réussis pas à faire ce que les autres font, tu vas te retrouver en train d'être jalouse. Et la jalousie, moi j'ai toujours dit que pour moi la jalousie c'est la sorcellerie. Pour moi la jalousie c'est la sorcellerie. Donc pour moi, j'aimerais en tant que Batwoman, la Batwoman de mes rêves là, c'est celle-là qui ne se compare pas aux autres. Qui peut s'inspirer des autres, mais ne se compare jamais aux autres. Parce qu'au fur et à mesure que tu te compares aux autres, tu vas te retrouver en train d'être jalouse si tu n'es pas stable mentalement dans ta tête. Tu vas commencer à envier alors que tu ne sais pas ce que cette personne vit ou bien ce que cette personne fait pour avoir telle ou telle chose. Mais tu vas te mettre à envier cette personne. Voilà comment ça naît. C'est pas pour rien que dans le développement personnel, on dit aux gens ne te compare pas, ne te compare pas. La comparaison, c'est pas bien. De deux, pour moi, une Batwoman doit être disciplinée si elle veut atteindre ses objectifs. Ça, c'est clair. Et moi, je travaille sur cet aspect de la discipline depuis l'an dernier. Parce que je suis quelqu'un à la base qui fonctionne beaucoup avec la motivation. Je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup. J'ai des tendances à être souvent très flemmarde, à reporter des choses au lendemain, à ne pas trop me précipiter sur certaines choses. Mais l'année dernière, j'avais décidé d'être disciplinée. Je me suis donné des objectifs fixes. Comment est-ce que je vois la discipline? La discipline, pour moi, c'est de se faire des promesses et de tout faire pour tenir ses promesses. Dans mon cas, sachant que moi je crée des vidéos sur YouTube, je fais des réels sur Instagram et TikTok, je me fais des promesses en vous partageant certains de mes objectifs. Je me dis ok, je sais que en parlant de ça publiquement, je m'engage à faire cela publiquement aussi. Vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Donc vous êtes en quelque sorte ma source de motivation, parce que parfois même quand je suis à plat, je reçois des messages comme ça, des dames qui me disent « Mais Priska, tu es où? Pourquoi tu lâches? Tu nous as promis que tu nous as, tu nous as, tu nous as. » Ça me rebooste et ça me redonne le courage et l'envie de continuer. Et en continuant, je me rends même compte que en fait, ça me manquait. Nos objectifs sont des promesses que nous nous faisons à nous-mêmes. Et pour qu'on puisse réaliser ces promesses-là, la meilleure des choses à faire, c'est d'être discipliné. C'est pas d'être motivé. Quand je vous parle là, je sais de quoi je parle. Je sais effectivement de quoi je parle. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis la discipline. Quand tu restes discipliné et que tu dis bon ça, j'ai dit que je veux l'atteindre. Tu mélanges ça à la foi. Tu crois en toi-même. Tu vas voir toi-même. Troisième chose, une Batwoman doit à 80% avoir un état d'esprit positif. Quand tu as un bon état d'esprit intérieur,
automatiquement ta situation extérieure changera. Une that woman doit trouver un bon moyen pour se libérer du stress. Ça, c'est sûr. Parce que si tu ne trouves pas un bon moyen pour te libérer du stress, tu seras toujours dans un état d'esprit négatif. Moi, je choisis le sport. Honnêtement, quand je vais faire du sport, ça me permet d'évacuer, de me libérer des pensées négatives, de rester focus. Il y en a qui préfèrent la méditation, il y en a qui préfèrent l'écriture. Donc, tout ce qui est journaling et tout et tout. Moi, je fais du journaling, mais je n'en fais pas beaucoup. Honnêtement, pour être sincère avec vous, je ne dépose pas beaucoup mes pensées sur du papier. Je le faisais quand j'étais adolescente. Je recommencerai à le faire petit à petit. Mais pour moi, le moyen le plus efficace de me libérer des pensées négatives pour avoir un bon état d'esprit, c'est le sport. Donc, c'est à vous de trouver le moyen le plus efficace pour vous d'avoir un bon état d'esprit. Parce que quand vous avez un bon état d'esprit, vous avez la force et le courage d'avancer et automatiquement votre situation extérieure aussi changera. Même si vous avez traversé des périodes difficiles, ça ne se reflétera pas sur vous en fait. Ça ne vous fera pas sombrer parce que vous allez pouvoir vous défouler. Donc voilà, pour moi c'est ça une that woman. Pour rester stable mentalement là, pour moi, c'est ce qu'une that woman doit faire. Pour moi, une that woman doit toujours se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire là ne me perd pas le temps? Qu'est-ce que je gagne en faisant ce que je suis en train de faire? Et quand je parle de gagner, ce n'est pas seulement dans l'aspect financier. Je vais dire par exemple que si même tu décides de te mettre dans la lecture, il y a tout style de lecture. Hein. Il y a la lecture pornographique. Il y a la lecture éducative. Toi, en lisant par exemple, qu'est-ce que tu gagnes en lisant? Si tu décides par exemple de te mettre dans la lecture, qu'est-ce que tu gagnes en lisant dans la en faisant de la lecture? Si tu décides par exemple d'aller faire de la danse, qu'est-ce que tu gagnes en faisant cette danse-là? Une that woman, pour moi, doit gérer son temps pour lui permettre d'avancer, pas pour perdre le temps dans les bêtises. C'est pour cela que cette année, moi, j'ai décidé de moins scroller sur les réseaux sociaux et que même en scrollant, ce que je scrolle là, ça doit me faire gagner sur quelque chose. Soit ça doit m'inspirer, soit ça doit me faire retenir une leçon. Bref, je dois toujours gagner, même en scrollant. En lisant, je dois gagner. Donc, une that woman ne perd pas son temps pour n'importe quoi. Même en allant se distraire, une that woman va se dire, en allant me distraire dans tel ou tel endroit, qu'est-ce que ça va m'apporter? Même les distractions d'une that woman doivent être sélectionnées. Une that woman, selon moi, ma perception des choses, ne part pas de se distraire uniquement pour se distraire, pour faire du match vu. Elle doit sortir pour se distraire quand elle en a vraiment besoin, quand elle ressent vraiment le besoin de se distraire. Elle ne doit pas perdre son temps n'importe comment, avec n'importe qui, avec des gens qui vont la faire retourner en arrière. Dans ma perception de la that woman là, elle doit économiser son temps. Le temps d'une that woman vaut de l'or. Donc, son temps doit toujours être rentabilisé. Toujours essayer de se poser les bonnes questions. Les questions qui vont te permettre d'avancer. Donc, il faut travailler le mental. Quand tu vois que ça ne t'apportera rien, ne le fais pas. Bref, pour moi, je dis bien pour moi. Autre chose, pour moi, une that woman doit connaître ses valeurs et ses principes. Aucun humain n'est parfait. Tout le monde a des défauts. Tout le monde a des défauts. Vous n'allez pas venir me dire ici là que vous êtes un ange. Tout le monde a des défauts. Mais pour moi, la meilleure des valeurs, c'est d'être vrai. D'être vrai envers les gens dans tous les sens du terme. Si par exemple, tu n'aimes pas la compagnie de quelqu'un, sois vrai avec cette personne et dis à cette personne que moi, je n'apprécie pas être avec toi. Ne fais pas semblant en fait. Ne fais pas semblant. Pour moi, c'est ça le plus important. Arrête de faire semblant. Pour moi, faire semblant, c'est être hypocrite. Et j'ai horreur de l'hypocrisie. Pour moi, c'est la première valeur. Être vrai avec les gens. Ne pas être sournoise. Ne pas être hypocrite. Être honnête, être vrai. Peu importe ce qui se passera autour de moi, je m'arrangerai à être vrai. Je m'arrangerai à être sincère. Donc pour moi, c'est un peu ça, une that woman. C'est celle-là qui respecte ses valeurs, qui respecte aussi ses principes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. C'est pour moi, tout ça, c'est ma perception de la that woman.
D'accord? C'est ma perception à moi. Maintenant, si vous avez d'autres avis concernant la date woman que vous voulez être et tout ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est pour ça que l'espace commentaire est là. Ça me permettra aussi d'apprendre. Ça me permettra aussi d'élargir des horizons, de ne pas juste être focalisé sur ma perception à moi. Donc, n'hésitez pas de réagir en commentaire. Voilà, mes cocos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous. Et on se verra bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !